Concrètement, je suis parti comme beaucoup, je pense, avec un certain nombre de préjugés. Effectivement, après 35 ans de pratique, on finit par avoir des certitudes qu'on a besoin de bousculer un peu pour passer à la suite. Dans ma génération, on a commencé avec la partie phyto, hein, parce que finalement, les premiers herbicides efficaces ont à peu près une quarantaine d'années, hein, donc on n'a jamais fait sans. Et le fait de savoir qu'il était possible de désherber potentiellement autrement n'est pas évident. Et là, il faut forcément retrouver l'aspect agronomique qu'on avait un peu perdu. Il se trouve que j'ai été approché pour participer donc à un groupe de travail sur la zone de captage de flins. Et donc, ça m'a rassuré sur la faisabilité du passage à l'agriculture biologique. J'ai découvert au fur et à mesure des personnes qui étaient passionnées et compétentes. Ça apporte une tranquillité d'esprit que je ne supposais pas. Il y a plus de 100 ans qu'on est dans notre secteur. Mon grand-père a commencé en tant que maraîcher. Et puis nous, on a diversifié en grande culture. En tant qu'agriculteur, je pense qu'aujourd'hui, on a un rôle très important dans le stockage du carbone. Au niveau qualité de l'eau, on a un partenariat aujourd'hui avec Suez et ainsi que l'Agence de l'eau sur des reliquats qui sont faits sur nos parcelles avant entrée d'hiver et sortie d'hiver afin de calculer la quantité d'azote disponible pour la culture en place et suivante, donc ce qui nous permet d'avoir des bonnes données et d'apporter la quantité d'azote juste et pas plus. Ensuite, il y a tout ce qui est investissement en termes de réduction d'IFT. Donc les IFT, ce sont les passages de produits phyto pour traiter, pour la maladie, pour les mauvaises herbes. Et donc ces IFT, on essaye tous de les réduire pour diminuer l'impact de la phyto sur la ressource en eau. Donc si on arrive à faire des réductions, nous on fait des économies et directement, écologiquement, on est mieux aussi. On est sur une exploitation de 70 hectares de SCOP, donc uniquement céréales et autres cultures végétales. On avait beau remettre de plus en plus d'engrais minéraux et d'intervenir très régulièrement avec soit des fongicides ou des insecticides. Au final, on dépensait énormément et au niveau des rendements, c'était de plus en plus catastrophique, quoi. Et là, on s'est dit, on peut pas continuer comme ça, quoi. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Et donc, ça a été le début d'une aventure dans l'agriculture de conservation des sols. On travaille avec du vivant, en fait. Je crois qu'on réapprend aussi une façon de faire de laquelle on s'était un petit peu distancié, parce qu'en fait, aujourd'hui, on travaille, je dirais, sans filet. La chimie, c'est du filet. Le chemin est pas facile du tout. Mais en fait, le biologique a la faculté de réparer beaucoup de choses. Donc en fait, ici, on est dans un sol qui n'a pas été labouré depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, voilà. Ouais. Vous voyez, là, les grandes racines, les pivots de luzerne remplacent notre ancienne charrue. Et puis, on a quelques vers de terre, là, qui se réveillent. Ils viennent en fait manger ce qu'il y a à la surface. En venant chercher de la nourriture, ils vont faire des galeries et structurer le sol. Et en fait, ça vient remplacer le travail mécanique avec des outils. Plus les racines descendent, plus elles vont pouvoir aller chercher des éléments minéraux dans le fond du sol. Et surtout, en période de sécheresse, elles vont pouvoir mieux résister au manque d'eau. Si on peut essayer de résumer, remplacer le métal par le végétal. Voilà, ça c'est notre objectif. Je pense qu'aujourd'hui, tous les agriculteurs se posent des questions. Ils voient bien que leur rendement diminue, ils voient bien qu'ils sont de plus en plus obligés de faire appel à la chimie pour résoudre des problèmes. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui tourne plus très rond. Nous, on en est tributaire de cette eau, donc c'est primordial. C'est une ressource qu'il faut préserver. Il ne faut pas hésiter à bousculer ses habitudes. Donc finalement, on arrive à faire quelque chose de tout à fait correct et de rentable, avec une méthode différente. On s'alimente aussi de pratiques qui sont dans des systèmes différents. Si on se refuse d'aller les voir, je pense qu'on se prive de la possibilité d'améliorer et d'avancer. Si on se met tous à avancer dans le même sens, on arrivera à des points de vue, je pense, très intéressants dans les années à venir.